J'ai survécu 50 jours en hardcore sur un monde plat. Durant cette vidéo, vous allez voir toute mon aventure. Ça a été pour moi un challenge énorme de réaliser cette vidéo. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à tourner. Alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Bon allez, assez parlé, je vous laisse avec cette vidéo. Ok, il y a un petit village devant moi, je vais vite aller là-bas les gars parce qu'il y a trop de slime. Laisse tomber, c'est infernal. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a des arbres, ça c'est cool. Je me suis dit, ah ça se trouve, il y aura peut-être pas d'arbres et tout et je serai obligé de casser les maisons. Mais en fait, non, bah du coup, il y a des arbres et ça c'est cool. Ah les gars, ça commence bien, j'ai déjà récupéré un petit peu de pain et des pouces. Oh là là, c'est génial. Si je m'en sors bien, je devrais pouvoir aller dans le Nether. Et oui, dans les villages, on peut y trouver des forges. Et parfois, dans les coffres, il y a de l'obsidienne. Les gars, ça commence déjà. On m'attaque. Ok, les gars, on a un autre fer. Bon, pour notre premier jour, j'ai tout simplement pillé des villages. Et j'ai passé ma première nuit dans un village. Allez, les gars, on dort. Première nuit. Le deuxième jour, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse une base. Alors, j'ai commencé à labourer la terre pour créer une zone immense et arrêter le spawn des slimes. Sauf que j'ai littéralement mis 12 jours pour faire ça. Bon, les amis, j'ai terminé de faire toute la zone. Il me manque juste à mettre des barrières tout autour de la zone pour éviter que les slimes rentrent. Et franchement, bah on aura terminé la base. Mais pour ça, les amis, il faut que je coupe un maximum de bois. Mais avant tout, je vais construire une farm à fer. Ok, super, on a un zombie. Donc lui, il faut qu'il vienne avec moi. Allez, allez, tombe là-dedans. Ok, super. Et on a le golem qui a spawn juste ici. Bon, on a fini la farm à faire. Bon, maintenant, on peut enfin attaquer la clôture. Donc, je vais couper un maximum de bois et je vous laisse avec un timelapse. Ok, là on sera plus en sécurité maintenant. Ensuite, j'ai construit un endroit pour faire reproduire les villageois. Jour 20, j'ai pu récupérer énormément de fer grâce à la farm. J'ai crafté une enclume et je me suis dit que ça serait intéressant de commencer à trade avec les villageois. Donc j'ai eu l'idée de construire une farm à mob. Oui, parce que 32 rotten flesh pour une émeraude, ça vaut le coup. Voilà, la farm à mob est construite et grâce à ça, on va pouvoir récupérer énormément de ressources. Jour 26, j'en ai profité pour construire des box pour les villageois. Jour 27, j'ai eu une offre super rentable. 4 lingots de fer pour une émeraude. J'ai donc récupéré tout le fer que j'avais et j'ai trade avec le villageois. J'ai pu m'acheter une pelle en diams. Et j'ai enfin un premier item en diams. J'ai trade une pioche en diams. Et j'ai continué à trade pour faire monter le niveau de mon villageois au max. Et j'ai construit une deuxième farm à fer. Et voilà, ma deuxième farm à fer est terminée. J'ai ensuite trade un full stuff diams. Et me voilà enfin full diams. Jour 36, j'ai ramené un autre villageois dans un box pour continuer les trades. J'ai ensuite récupéré ma récolte pour me faire du pain. Et j'ai voulu me fabriquer le portail du Nether. Mais pour ça, il me fallait de la lave et de l'obsidienne. Donc je suis parti à la recherche de villages pour trouver des forges. Premier village, pas de forge. Deuxième village, toujours pas de forge. Troisième village, toujours pas de forge. Mais j'ai enfin trouvé une forge. J'ai donc récupéré la lave. Et dans le coffre, j'ai trouvé de l'obsidienne. J'ai trouvé une deuxième forge. Et j'avais assez de lave et d'obsidienne, donc j'ai voulu rentrer à la base. J'ai voulu rentrer et sur le chemin, j'ai trouvé le Stronghold. J'ai donc été y faire un petit tour. J'ai pu y récupérer beaucoup de bibliothèques. Et dans le coffre, j'ai trouvé un livre Protection 3. Et dans un autre coffre, un autre livre. J'ai cassé le spawner au portail et j'ai trouvé 3 diamants dans un coffre. J'ai trouvé un coffre avec 2 livres, dont un puissance 4. J'ai complètement clear la zone et je suis retourné à la base. Jour 40, j'ai pu construire le portail du Nether. Et jour 41, j'ai construit ma table d'enchant niveau 30. Jour 42, j'ai continué les trades et j'ai pu améliorer mon stuff Protection 3. Je vais bientôt être enfin prêt pour aller dans le Nether.
J'ai ensuite cassé toutes les maisons du village car il me fallait beaucoup de place pour construire quelque chose. J'ai craft beaucoup de barrières et j'ai sécurisé les farms à fer avec des barrières. J'ai commencé à construire une troisième farm à fer et j'ai encore ramené un villageois dans un box. Jour 45, j'ai craft un pupitre, ce qui m'a permis d'avoir le livre raccommodage. J'ai donc acheté 6 livres raccommodage. Jour 46, j'ai fait pousser du blé pour le donner aux villageois. J'ai continué à améliorer mon stuff, j'ai emmené un zombie dans la troisième farm à fer et j'ai terminé la construction de ma farm à fer. Et ma troisième farm à fer est enfin terminée. Jour 47, j'ai continué à trade avec les villageois pour améliorer mon stuff et être enfin prêt pour aller dans le Nether. Jour 48 et jour 49, j'ai continué à trade avec les villageois et il me fallait le stuff ultime avant d'aller dans le Nether. J'ai été voir dans ma farm à mob et j'ai eu énormément de loot. J'ai continué à préparer mon stuff pour aller dans le Nether. J'ai enchanté mon arc puissance 4. Jour 50, je vais enfin dans le Nether. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous. À 50 likes, je sors la partie 2. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!